Atreus. Hé, une autre carte au trésor. Voilà, 3. Chier. Toute ma vie, j'ai servi le dieu du tonnerre, et c'est là où devraient s'établir tous les habitants de Midgard. J'ai enterré mon plus grand trésor au pied du dieu des dieux. Ah, c'est à côté de la fresque. On est déjà venu là-bas, je crois. Je crois qu'on est déjà allé à cet endroit. De toute façon, à un moment, on prendra une petite pause et on fera de la chasse au trésor. Faudra retourner chez les elfes aussi. Qu'on finisse toutes les choses à faire. Bah, peut-être après la mine, on retournera chez les elfes. Parti. Un dévoreur d'âmes. Et un vagabond. Tiens-toi prêt. Ah non, pas de vagabond. Oh putain. Dévoreur d'âmes, ça passe, mais le vagabond, quoi. Peut-être qu'on peut utiliser les explosifs du dévoreur d'âme sur le vagabond, ça serait cool. Ah ouais, bah des cauchemars en plus. Je suis prêt. Un après l'autre. Après pourquoi je pouvais pas tenter la cible? Je vois rien. Ah oh, merde. Oh merde, non, me touche pas. Ah non, non, non. Mais putain, tu veux pas tourner la vue quand tu tires. Et toi, attache. Yeah. On a vu pire. Hein. Un dévoreur d'âmes mort. Qu'est-ce qu'un... On a eu tellement pire. Le Vegamore a une rune magique. Lorsqu'il la lève dans sa main, Père doit viser avec dévoreur ça. D'âme fait ici. Ça, on l'a découvert seul. Comment ça, c'est ta faute? Atreus, ignore-le. Je peux pas vraiment l'ignorer. C'était quoi ce bruit? Alors, continuons.
Pas comme ça. Il dit que ce coffre va déclencher une série de pièges. Ce coffre va déclencher une série de pièges. Bon bah go hein. Je ne vois aucun piège. Il avait l'air sûr de lui pourtant. Nous mentirait-il ? Alors, on a une bonne rune par contre. ⁇ 12% résistance à tout. Tous les éléments. Bon, il est où ton piège ? Ah, il y a de ce côté aussi. Attends, il y a là et... Là, il n'y a rien. Là, c'est juste le coffre. Sois prêt. Oh, on n'a pas pu faire le troisième. J'ai fait trop mal. Alors. Ok. C'est bizarre qu'il y ait des elfes noirs ici. On pourrait même ressortir les runes contre les elfes noirs. Attends. Non, c'est là d'où on vient. Pour revenir, ok. Rien de spécial. On avance. J'entends des bruits, on dirait des insectes. C'est le coffre qui fait ça ? Crépitement du feu. C'est le crépitement du feu. Bah merde, on est de retour ici en fait.
J'ai loupé une manivelle. Ouais, ben je veux bien croire. Ouais. Je suis sûr qu'il y a ça à faire avancer. Là. Ah là, ah. Ranvari dit que son atelier se trouve là-haut. Mais je sais, ne jamais croire un anneau qui parle. Jamais croire un anneau qui parle. C'est marrant, techniquement on est 4 maintenant. On a Mimir et l'anneau. J'espère que l'anneau on va le garder, que de temps en temps il va nous aider. Parce que l'anneau en fait on n'est pas censé l'avoir, enfin on n'est pas obligé de l'avoir. Vu que c'est une... vu que c'est une quête secondaire. M'énerve. On a pas besoin de défense contre les elfes. J'aimerais bien qu'il réagisse des fois un peu plus vite, Kratos. Genre... C'était difficile. Il est fort et son armure est épaisse, mais il vulnéra après une certaine attaque. C'est quel enchaînement que je faisais? Ah, je sais plus. Il y a un enchaînement en fait que je voudrais sprinter et... Et faire l'attaque comme ça, mais des fois en fait... Père, je t'en prie, écoute-moi. Les hommes d'Andvari ont fait une chose terrible ici. Il est content que tu aies détruit son laboratoire et il regrette de nous avoir piégés. Son marteau est juste derrière cette porte. Ok. Des fois, enfin voilà, il y a juste un délai en fait. Le temps qu'il récupère après une attaque, une certaine attaque, je sais plus trop quoi. Et ça serait bien qu'il aille plus vite, mais bon, c'est pas grave. Désolé pour ce bruit. Petite zone défensive qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos. Crée une petite zone défensive qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos et réduit les dégâts qu'il subit. Une fois amélioré, ce talisman restaure une petite quantité de santé. Ha! À la limite, on pourra tester ça. Quoique non, enfin c'est... Ça me permet de pas être stun en fait, j'ai l'impression. Genre quand on me tape, quand on va me taper, je vais pas bouger. Mais je me prendrai toujours les dégâts. Donc bon. C'est toujours aussi dangereux en fait. Faudrait que je sois invulnérable pendant un petit moment. On testera quand on pourra la créer. Enfin, qu'est-ce que je dis? Non, on peut la mettre. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Ah, faut que ça se recharge. Faut que ça se recharge. Ouais, on interchangera après. Salut Orion. Ça va? Attends, attends, attends. D'abord, on prend ça. Atreus. D'accord. Oh, putain, encore. Oh la vache. Quatrième. Je me demande qui a écrit ça. Ah, c'est de l'histoire, ça. C'est un beau marteau, c'est vrai. Andvari te remercie. Eh ben de rien. De rien, l'anneau. On peut le garder. On en parlera au Nabo bleu. Con. Bon, pas grave. Je voulais le faire en... Oh, fiché, il est en bas. Ah mon Dieu. C'était bien chiant. C'était bien chiant avec différents niveaux de... Différents niveaux comme ça. Alors. Et par contre, avec celle-là, on peut mettre aussi une rune. Ah, intéressant. Pas mal. T'as obtenu une tête qui... Non, c'est Mimir. C'est le bon vieux Mimir. C'est pas une tête qui est pétrifiée. C'est pas la tête de la... de Médusa ou... C'est pas ça. C'est Mimir qui raconte des histoires. Il connaît tout sur tout. Et on a aussi un anneau avec une âme à l'intérieur. Donc un anneau qui parle. Une bague qui parle. Bon bah c'était facile en fait, il n'y avait pas trop de boss, rien. Alors. Tiens, le marteau de l'alchimiste. Son esprit est très pénible. Ah, Andvari a toujours été un casse-berne. Mais c'était un sacré alchimiste. Donnez-le-moi, je vais le fondre. Quoi? Tu vas fondre ton ami? Une âme emprisonnée donnera du chien à votre récompense. Vous n'en voulez pas? Père, on ne peut pas faire ça. Tiens, garde-le. Il est très utile, je te le promets. D'accord. Mais il a intérêt à me convaincre. Oh. Très forte chance d'obtenir un requin de santé à chaque le élimination avec une attaque. Tendre, hein. Ah, ça lui passera. Eh, hey, Brock. Tu veux bien regarder ça? Qu'est-ce que tu as pour le vieux Brock? Andvari.
Au début, Andvaré nous aidait pas beaucoup, mais en voyant le mangeur d'âmes mort dans les mines de l'endroit, il a changé d'attitude. Je crois qu'il se sent coupable d'avoir mené ses expériences sur les anciens et créé des accidents des mangeurs d'âmes. Ok. Heureusement qu'on n'a pas eu d'affrontement d'autres. Son âme est toujours emprisonnée dans l'anneau. Brock voulait le faire fondre. Il est cruel parfois, mais j'ai convaincu Père de le garder. Et il fait désormais partie du groupe. Père utilise même l'âme d'Andvaré comme un enchantement parfois. Il ne doit pas être drôle d'être enfermé dans un bijon, mais Andvaré ne se plaint pas trop. En tout cas, j'ai appris à l'ignorer. Je vois que vous êtes tombé sur des vagabonds. Ou plutôt que des vagabonds vous sont tombés dessus. Qui sait? Et qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien! Bon sens que tu poses comme question. Nouvelle formule déverrouillée. Oh, j'ai failli oublier. Brock, voici notre nouvelle amie Mimir. On se connaît. Oh, pourquoi tu l'as pas dit? Demande-lui. Me demander ? Parle pour toi. Silence. Ça suffit, vous deux. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. Sindri et toi, vous pourriez pas faire la paix. Ça peut pas être si grave. Vous êtes frères. Viens pas me parler de famille. C'est pas moi qui ai oublié ce qui faisait notre nom. Les armes qu'on forgeait étaient légendaires dans les 9 royaumes. Et ce, depuis plus d'années que je saurais en compter. On fiche pas tout ça en l'air juste pour une mauvaise... Une mauvaise quoi? Rien du tout. T'aurais pas autre chose à faire? Hé hey, qu'est-ce que t'as fait de ta vache? Comment ça? Je l'ai mangé. J'en ai évacué des bouts pas plus tard que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? Elle donnait plus de lait. C'était ton ami? Alors elle doit être contente de m'avoir bien nourri. Ma parole, gamin, t'es un vrai sentimental, tu sais. Tu devrais faire attention à toi. Allez, je m'y remets. C'est bien ce truc, ce talisman, mais je pense pas que ça va être très très utile à la façon dont... Qu'est-ce qui te fait envie, mon grand ? La façon dont je combats, en fait, ça va pas être utile. Alors, blastron de vagabond... Fragment d'armure de vagabond, on peut en créer. Oh la vache, on va perdre en rune. Ah non, mais rune 5. Chance 11. C'est pas top, hein. Enfin, on pourra l'augmenter jusqu'au niveau 6. Ça qui est bien. Ça aurait pu être mieux. C'est bof. À la revoyure. Je sais pas vraiment. Peut-être la ceinture à la limite. Je m'occupe de ça. J'espère qu'on peut l'augmenter. Évidemment que non. Putain, fais chier.
A plus, Goldo. Amuse-toi bien. Sur Wildlands. Wildlands. Ouais. Bon, pour l'instant, on reste comme ça, mais... Qu'est-ce que je pense que les armures de vagabond peuvent être cool pour notre niveau. Mais il va falloir attendre un peu pour pouvoir les augmenter, en fait. Alors, très forte chance d'obtenir un requin de santé à chaque élimination avec une attaque runique. Attaque runique, oui, attaque runique, c'est bien. C'est facile. En plus, 8 vitalité récupérée. Putain, c'est bien. Il donne pas mal de choses. T'avais encore à dire. Bon ben, allez, on se casse. Je pensais que ça allait durer plus longtemps quand même. Un peu déçu. On va voir si on peut retourner aux elfes. On va voir. Dites-moi comment tout a commencé avec Baldur. Il est venu frapper à notre porte. Baldur d'Asgard a simplement frappé à votre porte? Oui, il est arrivé et il a provoqué Père. Il a dit qu'il voulait savoir quelque chose. Il a dit, je sais ce que tu es. Oh, bon, on y reviendra plus tard. Et qu'est-ce qu'il voulait, au juste? J'étais caché sous le plancher. Il a dit que je savais ce qu'il voulait. Il m'a peut-être pris pour un autre. C'est intéressant. Les armures de vagabond, elles ont l'air cool par contre. C'est pour ça que je voudrais la... Je l'ai créée exprès parce qu'elle est jolie en fait. Mais il faut l'augmenter de niveau. Ah voilà. Alors comment on retourne chez les elfes? Faut aller là, non? Il n'y a pas à parler. Non, il n'y a pas à parler. Hop. Enfin, je sais pas si ça va être possible. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Alors, royaume condamné, rune de passage requis pour accéder. C'était ça les elfes, Elfheim? Ouais, c'est ça, elle fait. Les hommes avec Baldur. Ce sont vraiment les fils de Thor? Oui, Magni et Modi, deux abrutis finis que tu ne risques pas de croiser dans les halles d'Asgard. Ils obéissent au doigt et à l'œil à leur oncle. Ils sont stupides. Certes, mais ils sont aussi dangereux. Quand ils font équipe, ils sont redoutables. Mais ils passent plus de temps à se chamailler. Enfant déjà, leur force était légendaire. Je me souviens du jour où le géant Rungnir est tombé sur Thor. Une autre fois, tête. Ok. Une petite escale. Chez les elfes, ça va pas prendre longtemps. On va juste finir en fait. Ah, Alfheim. Sa douce brise et le parfum du chèvrefeuille mêlé à celui du sang commençaient à me manquer. À en juger par le ciel, les elfes blancs ont repris le contrôle de la lumière. Explique-toi. Eh bien, les elfes blancs et les elfes noirs se battent pour contrôler la lumière. On le sait déjà.
Mais saviez-vous que la lumière a changé de main pas moins de 213 fois? Vraiment? Et oui, chaque camp pense être le gardien légitime de la lumière et prétend se battre pour assurer sa survie. Mais en réalité, le vrai problème, c'est que la guerre dure depuis si longtemps que sans elle, ils ne sont rien. Chier, on était en train d'écouter l'histoire. Mon histoire. En plus, il en connaît pas mal sur. Il est où? Tête, s'il te plaît, continue. On sait pas qui sont les gentils en fait. Les blancs ou les noirs? Des elfes blancs ou des elfes noirs? Alors, si je comprends bien, Vartalfheim veut dire terre des elfes noirs. C'est ça? Oui. Mais t'as dit que les elfes noirs étaient implantés à Alfheim depuis très longtemps. Et puis, les nains sont pas censés venir de Svartalfheim? Ils ressemblent pas à des elfes noirs. Tu ne trouves pas? Alors c'est que tu es bien plus perspicace que les Ases. Car il semblerait qu'ils n'arrivent pas à faire la différence et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce nom. En fait, les nains appellent leur propre royaume Nissavellir. Alors les elfes noirs viennent pas du tout de Svartalfheim? Absolument pas. Ce sont juste des elfes d'une autre couleur. Personne ne sait qui était là en premier, mais ils viennent tous d'Alfheim. Mais pourquoi est-ce qu'ils se battent tout le temps s'ils sont pareils? C'est... adorable. Hein? Le monde est ainsi fait. Oh. Bah... c'est triste. Il se fout de la gueule du gosse parce qu'il est gentil, en fait. Enfin, il se fout de la gueule du gosse. Bien qu'il me charrie, quoi. Bon, on peut pas s'accoster ici. Pas. On a un coffre. Non, un. Pas un coffre, comment ça s'appelle? Un trésor. Les elfes blancs veillent aussi sur Midgard, j'ai passé. C'est avant-poste. Enfin, c'est peut-être pas ici en fait. Je sais pas. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive! Au final, on est là, mais je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Corbeau. On a que le corbeau en fait. Et après un trésor sur nous. On a des zones inexplorées, mais je pense que c'est ça là. Ça sera plus tard. On va faire un tour vite fait.
C'est tellement beau ici. Ah, peut-être là pour le trésor, non ? Île de lumière. On voit une chute d'eau. Pas là. On va retourner vers les chutes d'eau parce qu'on voit une chute d'eau dans le dessin, donc ça doit être là. Ah, le cercle, ah, c'est là, sûrement là. On redescend dans la tranchée ? Non. On peut aller là ? Je vais faire le tour vite fait. Sinon on part, hein. Je vais rester genre 5 minutes de plus, 5-10 minutes de plus si on trouve rien, on se casse. Si on a tellement à faire. Bon allez, on part.